Bon les gars, nos deux premiers matchs de Fut Champ ont été une bonne défaite. J'ai été deux fois derrière mon cadeau, j'ai pas pu me concentrer. Moi, il n'y a pas que pour ça, mais j'ai pris 2-3 buts à cause de ça, mais pas grave. Donc j'ai perdu mes deux premiers matchs. On va attendre ensemble 19h, on va voir la nouvelle équipe. Actuellement, il est 5h49. Yo. Donc je le répète, mais en gros, mon futur puis c'est, il a mal commencé parce que mes deux premiers matchs, je les ai perdus, j'étais dérangé, donc il n'y a pas que ça, mais vas-y, je prends 2-3 buts à cause de ça. Et voilà, du coup, il commence mal, mais on va essayer de le rattraper. Et en stream, donc voilà, si jamais, tu sais, peut-être parler, si vraiment il y a des mecs qui parlent, bah, il n'y a pas le message, à la fin du match, ou si on peut le tirer. Mais voilà, c'est pas grave, hein, deux matchs en plus, ça se rattrape. Et du coup, la SBC, on va voir la nouvelle team. Hein. Oh, dommage, l'extérieur creusé comme ça. Donc là, c'est pas fait. Ce contre-pied était très propre. T'es prêt ou pas pour le coup franc que t'essayes? T'es tout donné. Oh dommage. Aldo, il est pas précis. Coup franc. Ok. Bon, ouais, trop simple. Attends, on va être un peu de complication. Je sais ce qu'il y aura vraiment. Parce que je sais que tout ce que tu me dis. Faut pas là, je suis pas sûre. Je vais te dire. C'est pas hyper compliqué à dire. Parce que je connais déjà la team. Déjà, je sais qu'il y aura aussi Aris Estuundo. Je sais plus quoi. Hop, League FIFA. League FIFA. Déjà j'ai tout déjà tout éliminé. Donc il y aura Payet en SBC à venir, il y aura Cancelo, Fofana, ouais c'est vrai, Kimmich, Vinicius, Salah, Vinicius Junior, attends, je te redis. Salah, Kimmich, Cancelo, Vinicius Junior, Fofana, Barella, Trapp, Laborde, Rafael Leao, Zapata, Watkins, José Lu, TAT, Wilson et Elus Tondo. Il y aura aussi en SBC Klaus et Payet. Et pour les Totti nominés, t'as Benzema, Chiesa, Ronaldo, David. Pourquoi David? Moreno, ça c'est juste les attaquants. Grealish, Haaland, Immobile, Insigne, Kane, Lewandowski, Lukaku, Lautaro, Mbappé, Messi, Neymar, Oyarzabal, Payet, Salah, Suarez. Non, Payet, c'est faux. Et pour la. Non, attends, pour la Totti, les vrais attaquants. Ah si, il y a vraiment Payet dans la Totti! Enfin, il n'y a pas Payet dans la Totti, mais en tout cas, il est qualifié pour les attaquants. T'imagines? Totti Payet. Oh, il a cassé le filet. Attends, j'ai envie de frapper avec Lewandowski. Est-ce que c'est trop possible de frapper avec Lewandowski? Bah, ça doit être. Toutes les pénalties là. Allemagne. Oh, je l'ai vu. Tu sais pourquoi on va faire ça? Parce que t'aimes juste comme ça va être trop jouissif de faire ça. Oui. C'est pas ça que je veux. Même s'il a une bonne frappe, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Oui. Et. Oh, c'est. Oh, mais en vrai, ça, genre, face à Lewandowski, le seul, lui, ça doit être hyper stressant. T'es obligé d'être en train de faire ça là? Hop là! Petite machine, tu peux me faire 18, tu l'as raté.
Puis hop, en fait, il y a faute. Bah, c'est à toi la faute. Oh, imagine, hein, les ventes aussi dans la Lulu, comment c'est impossible à rater. Ah, vas-y. Oh, le karma. Oh, le karma express. Oh, il est rapide. Hein. J'aime bien, j'adore sa course. Vraiment, je suis fan. Sur ce petit arrêt là, tu sais que moi, la première fois que j'avais un penalty face à Lewandowski, et bah je savais pas qu'il faisait ça, donc il s'est plongé au moment où il a fait ça. Hop, et bah là il s'est plongé. Attends, imagine les contre-pieds. Le contre-pied, je le répète, parce que je sais pas, c'est le fait de mettre son pied et qu'il regarde vers la droite et de frapper à gauche. Ouais, bah voilà, c'est un contre-pied. On va frapper à contre-pied. Après, je crois que lui il fait déjà un contre-pied direct, donc il fait son besoin de tirer à la droite alors qu'il tire. Et s'il tire à gauche, bah du coup, regarde. Hop, hop. Allez. It's last time. Il est bon. En courant. Attends. Ah oui, j'avais oublié. Il fait ça aussi pour les coups francs. Attends, mais c'est trop bien. T'imagines, regarde. Théma. Imagine, t'es le gardien et tu plonges avant. Oh là, il a pas fait. Bon, je sais pas. Merci les ventes. J'adore sa course, vraiment, je suis amoureux. Et c'est la meilleure course, hein. C'est dommage s'ils aient pas fait la petite course de Bruno. Ouais, enfin, le saut de Jordinho, Bruno, un peu comme tu veux. Bah là, vraiment bien. Hop, ouais, ok. Ok. En fait, j'ai trouvé le joueur parfait pour la course et tout. Enfin, pour tout entier, il faut choisir. Ah, donc j'aurais juste pu faire ça et je me suis embêtée à faire tout le tour tout à l'heure. Ça va, t'es là encore ou... C'est lui le joueur parfait. Parce que 5 étoiles et une course. Et une course. Oh là là là, j'ai même pas envie d'en parler. Oh, j'en ai marre de sa course. Dès qu'il y a un pénalty face à Pogba, je sais que je l'aurai pas. Elle est horrible sa course. Ah bon, on pouvait reculer les joueurs. Parce que en fait le fait qu'il soit très lent, c'est que bah, tu peux pas savoir où ça tire. En fait celle de Neymar aussi elle est bien. C'est vrai que j'ai oublié, mais celle de Neymar elle est... Bah voilà, j'ai une petite préférence, c'est vrai que je suis un petit peu amoureux de Neymar. Neymar Junior. Non mais... Ah putain. Regardez-vous là. On a petit Lewandowski, je dis. S'il est pas... Ouais, c'est vrai que s'il est pas... Après, c'est la meilleure course. Il n'y a pas de mots. Boum. Un 3. Personne n'a jamais arrêté une frappe de Neymar. Bah, tu sais que... Ouais, c'est vrai, en Ligue 1, il a raté que 2 pénaltys Neymar. Of course, we shot in the lucarne. Oui! Oh là. Neymar, c'est trop bien de jouer avec lui parce que tu sais que d'où il frappe, tu t'en fous. De quel pied il frappe, tu t'en fous. Et comment il frappe, tu t'en fous. Tu sais que dans tous les cas, la frappe, elle va venir. C'est pour ça que c'est trop bien de jouer avec lui. Même le centre, il est trop frais. Boum.
sais que si tu fais genre juste tu bouges ton joystick pour bouger sur une panka et bah après pour l'arrêter tu peux genre je sais pas comment c'est. Ouais plus qu'une minute mais en fait on va y aller vers 19h genre on va pas y aller à pile parce que genre on va attendre que ce soit 19h avant de lancer le jeu parce que comme ça on verra la team. Tu vois, c'est le seul moment où le chargement, on a envie qu'il soit long. Dis-moi quand il est 19h. Parce qu'on veut voir les stats au-delà des joueurs. Les joueurs, on les connaît. Hop, c'est parti. Rompachi, combien de temps? Demain. Ok, 19h. Attends, ouais. Ouais, j'ai vu. Oui. Oh, les stats de la board. Moi, la board, je veux dans mon équipe comme Salah, oui. Cancelo, oui. Kimmich, oui. Vini, oui. La board, oui. Barella, non. Estulondo, non. José Lu, non. Ramsdale. Ils ont remis Ramsdale. Ok. Pourquoi pas? Oui, oui, Tiat. Wow, les stats du Poug. Wow, Zapata, non. Et Watkins, oui. Oh, vous avez vu les mêmes stats que moi pour ce Fiat? Bah, attendez, il y en a déjà compact, donc je vais vous montrer. Pourquoi il y a encore Ramsdale? Je sais pas. Attends, mais je crois qu'on n'a pas vu les mêmes stats, hein. Attaque. Ouais, je crois que c'est parce qu'il est encore pas que. Ouais, bah il va coûter son prix, frérot. 1, 2, 3, oui. Force et agressivité, quoi. Il habite tout le monde, d'accord. Attends! Voilà, c'est ça qu'on veut aussi. Oh non! Oh le voilà le meilleur milieu du jeu! Non! Avant, on le savait déjà. Oh là là, et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Attends, il va être horrible. Je vais le tester toute ma vie. Je vais le hanter. Ok, et pas encore. Ouais, non, 2h. Et maintenant, les. C'est Klaus ou Payette? Payette! Ah, ok! Oui, 86 et la carte? 4K, wow. Il est bon, mais est-ce que ça vaut vraiment ses. Est-ce qu'il vous mérite la carte? Non. Est-ce que en plus il vaut le coup? Non, moi je mettrai un an dessus. C'est très cher quand même, hein, ça coûte environ 200 000 crédits, quoi. Hein. 200-300, ouais. Payer région minimum 2. Joueur dans le même championnat, max 4. Joueur hors une tronque. T'inquiète, mon club il est rempli en balle. Juste regarde hein, pour te montrer à quel point mon club est dans la sauce absolue. Ça, c'est les ors que j'ai. Ça s'arrête là. Je ne peux pas défiler. Si, je ne peux pas défiler. Là, je défile là. El Ghazi, Marlos, Eriksen, Vela, Dembélé, Mendy, Maignan, Oyarzabal. Ronaldo, Messi, et c'est terminé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 or. C'est bon pour toi ou quoi? C'est expliquer la merde dans la révolution. Hein, donc en fait, je vais pas garder de tag pour la toutie parce qu'il va me falloir des joueurs avant la toutie. Donc ce qui va se passer, c'est que ce soir, on va faire et les matchs pour. Les packs, évidemment. Enfin, les options. Mais avant, on va partir en Rivals. On va chercher un pack méga, un pack draft. Et surtout, pack à 50k, un pack à 100k. Donc là, ce soir, si je fais au moins 7 wins en Rivals, ce qui est faisable, mais compliqué, donc je pense 10 samedi. Ouais, samedi soir, parce qu'il y a aussi le futur champ et tout. Même si je vais gratter pour essayer de voir ce que je peux faire.
d'ici samedi soir et j'ai une ouverture à... Bah on verra pour les récompenses futures. Mais déjà juste en brut 185 000. C'est bon 185 000. Ça vous va? C'est bon? C'est bon, j'ai déboursé. Pack 100K, 50K. Et encore non, parce que... Ah non, pack méga, donc 35 000. 185 000, ouais. Attends. Et dire que j'ai toujours tout ça pour pas avoir une flamme. En vrai, je la trouve, même si elle est incroyable, hein, la team. Je sais pas si elle est. Je sais même pas si je la trouve moins bien que la Mbappé. Parce que Mbappé, Van Dijk, ok, mais. Excuse-moi, mais Vini, Salah, Kimmich. Et même Laborde, hein, parce que Laborde. Oh le bâtard, il va me saouler. T'as voir. Et en vrai, on n'en parle pas assez, mais vraiment tous les Français sont hyper bien. Upamecano, Nkoukou, Benzema, Mbappé. Déjà, les quatre, ils sont dans un mood excellent. Laborde. Benzema. Upamecano, je l'ai dit. Genre, vraiment, il y a du monde français. Française. En vrai, je peux faire le TikTok. My club is in the mud. In the mud. My club is in the mud. Voilà, Chris. Bon, c'est bon. On va quitter. Sauf si je l'arrête. Ok. Je continue. Sauf si je prends un but. Donc, Ramsdale, du coup, qui revient, hein, de chez les morts. Alors, beaucoup. Ah, ben j'ai déjà vu les quatre. Est-ce que déjà il y a des joueurs normal? Non, non. Ok, la board. Oui, déjà tout ça qui est embaqué. Il y a qui coûtera environ 100 000 et une carte. Oui. Pression de tête, s'il vous plaît. 3-4 après. Hein. Donc il coûte 100 000. Après, nous avons Kimmich. Faites vos yeux, 1 million. 3 sous. Après, c'est vrai qu'il a pas de très bonne taf. C'est vrai, il y a des stats de merde. Ça là, faites vos yeux, 1 700 000. Oh, c'est sûr. Oui. Bon. Je t'imagine, t'as un gars là, il te l'achète à 150 000 crédits. Donc tu pulsionnes. Il y a des mecs, c'est ça, ils ont pas, genre. Vini. Oh, Vini, je pense même qu'il peut coûter plus cher. Je pense que ça va être n'importe quoi, Vini. Ouais, non, déjà deux pages. Oh, il y a déjà deux pages de Vini, c'est n'importe quoi. Je sais pas s'ils l'ont sorti ou ça. Parce que je l'ai pas vu, hein. Non, c'est pas ce Fofana. C'est le Fofana de Lille. Et genre tous les joueurs qu'ils ont sortis en POTM, gros. Bah non, en fait, il est encore sorti. Bon, les go futur. En vrai, même ça avec moi, je suis content. Moi, elle, vas-y, je suis très heureux. Elle, c'est celle que je vise. Si j'ai ça, je suis content. Et si ça, c'est... Ça, c'est une espèce, vraiment. Si j'ai ça, je suis comment... Parce que je vous jure que moi, je suis éclatée aux gens. J'ai des bonnes petites mètres, mais je suis éclatée.
Par contre, le problème, c'est que Verratti, bon. Voilà, un peu jouer comme ça. Parce que je veux dire que Verratti est trop peu défensif, vraiment. Après, il y a ça aussi. T'es mal vu sa team. Tu as vu sa team? Comment tu veux que moi je réussisse à gagner un tout petit match contre ça? Bah, c'est impossible, je vais prendre ta place. Les arbitres également, encore sur le galerie avec cette rencontre. D'une manière générale, on est plutôt gâté avec ce qu'on voit depuis. Dans tous les cas, je me ferai quelques crédits, mais tu vois, moi, si je peux me faire un peu plus. C'est ma voix. C'est parti dans la surface. Merci Kama. Vraiment, mais il est trop fort ce Kama Minga. Je vais pas le jouer en fait, j'aurais pas dû mettre lui, j'aurais dû mettre Diallo, mais au calme. Oh, j'aurais. Oh, je prends rouge. Oh, j'aurais. Oh non. Oh non, ça va me coûter mon match. Je suis la pire des merdes. J'aurais tellement dû le laisser marquer. Enfin, ouais, moi aussi. Bon, bah, on est dans la merde. Parce que là, c'est un tiers de un quart de mon équipe qui part. Un tiers même. Un tiers de mon équipe qui a pris un rouge là. Donc, ça va être compliqué de jouer sans lui. Mais bah, comment on va faire? C'est ça qui va être intéressant. Bon, on va quitter un. Bah ouais, c'est impossible, frérot, je suis une merde, je suis trop nul, gros. Je peux déjà quitter un, ça sert à rien. Vraiment, hein, je vous jure que c'est impossible. Déjà que je suis nul au jeu, si en plus j'ai même pas best. C'est terminé, vous pouvez signer mon arrêt de mort. Hein. Non, en plus, regarde les passes. Ouais, c'est pas grave. Je t'en reprends un peu par contre, depuis c'est bon. Allez, s'il te plaît, Blizzic. Oh, la faute là! T'as pas l'impression que je suis déjà assez dans la merde comme ça? Mais vraiment. Oh, déjà, je compte contre des équipes. Bon, hein? Oh. Arrête, ça mérite rouge, hein? Mais bon, ça fout le seum un peu parce que vas-y, là je peux marquer, mais à 10. À 10, en fait, c'est même pas à 10 qui me dérange. Je t'avoue que sur les 3 matchs, il y a 2 matchs où je prends des rouges, donc c'est même pas ça qui me saoule. Ce qui me saoule, c'est que. De ça, il. Waouh! Bon après, premier match, j'ai gagné 2 buts d'avance, c'est rat... enfin, c'est pas du tout, voilà. Non. Non, non, oui. Putain, j'aurais tellement pas dû prendre rouge, frérot. Je m'en veux. Si je fais le match, c'est full ça. Parce que d'ailleurs que je prends le but. En plus, penalty, je fais n'importe quoi au goal. J'aime pas quand les gens y tirent rapidement. C'est mon problème. Mais alors, en plus de ça, rouge, c'est terminé. Hein. Oh non. Pulisic. Oh, audacieux lui. Hein. Bah, c'est bien, ça nous fait des occasions. Konaté. J'aurais bien aimé taquer là. Merci Konaté. Oui, let's go. Le public qui gronde et qui est furieux, qui estime que l'arbitre aurait dû siffler. C'était un penalty pour eux. Il y a personne pour couper la.
route d'aller au Messi qui va Il n'y avait pas faute. Oh, lui, il l'aime bien dans le vent. T'inquiète pas que Théo, il est pas prêt de redéfier. Et bah, s'il le défie, et bah non. Ça va, on perd du temps, hein. Sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Vas-y, je fais ça 10 minutes 30 ans s'il le faut. Chercher une solution là. Allez, dans la boîte, il y a du monde. On fait dégagement là, attention. George Best avec le ballon. Non, il va en faire encore un. Attention. Il fait que des L1 triangle. Ça, c'est. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'ai. Je suis bon ou un truc comme ça. Hein. Ça, c'est juste parce que je viens de faire 14 frappes qui sont pas rentrées. 14 actions. J'ai full la possession. Et pour l'instant, aux yeux du jeu, même si bon, là c'est mitigé, même si pour moi je mérite aussi, là pour l'instant, et ben je mérite. Et donc, du coup, ils vont pas lui mettre un but comme ça. Ah oui, bah si, superbe. Voilà, dehors. Hop, hop, et ben non. Ouais, il arrive à poursuivre son action. Oh, dommage. Putain, elle était belle l'action. Là, j'aurais dû frapper. Même si le tir, je le tire avec Aouar, faut que je frappe. Parce que de 1, c'est ce qui va m'empêcher de prendre des buts sur des petites actions où il faut un compte favorable. Et de 2, je peux marquer quoi. Après, là, je sais que c'est pas un problème pour moi. C'est vraiment juste le joueur qui a pris le rouge, encore une fois. Oh, regarde, tu vois qu'il y a un énorme trou dans le milieu. Ma défense est là en chuchu. C'est même pas s'il aurait dû changer. Hein. J'aurais peut-être dû garder à 3 défenseurs. Hein. C'est bien Pouli. C'est très bien ce qu'il nous a fait Pouli. Il a pris en compte le fait qu'on jouait pas sur son côté. Et vu que il a vu qu'on passait avec le centre avec un ailier, et bah, il est venu se proposer. C'est sublime ça. Oui, peut-être que sur juste un geste du jeu, j'abuse un peu, mais vraiment. Ah, là, les gars, c'était pas la même coordination. Et en vrai, c'était pas si mal de tacler gros Kodza, hein, parce que du coup, il l'a protégé. Ok, donc lui, il a créé son club en 2019 et en 2020. On va le créer en fin 2020, donc on est la merde. Il a créé en fin 2019, mais bon. Allez, c'est parti. Oh merci Mignon. Incroyable. Superbe pas, quelle présence. C'est allé à toute vitesse. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Oui. Bien négocié par le gardien. Non, Pulisic, enfin la Mendy t'en fais trop. C'est le job de Pulisic, pas le sien. C'est le job de Pulisic qui réussit merveilleusement. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, il est vraiment meilleur que Barnes. Hein. Pour avoir testé Barnes, moins lourd et tout, bien mieux. Ouais, mais il fait que ça. Oh, ce tacle. Oh, ça mérite tellement une faute. Oh, c'est grave. Allez. Faut pas se relâcher, les deux buts d'avance, je les ai très vite perdus. Hein. C'est qu'à 4 buts d'avance que je peux estimer avoir une chance de l'emporter. Là, vraiment, limite, ils sont en train de gagner. Hein. En termes de mental, vraiment, j'ai pas de mental, moi. Je peux être bon, je suis pas très bon, mais si je suis bon, c'est juste que j'ai pas de mental. Tu me donnes un bon mental, c'est bon. Plus de milieu, y a plus de milieu, y'a plus de milieu. Attaque peut-être. C'est un petit peu brouillon, mais il revient pour récupérer. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est parce qu'il n'y a pas de carton, y'a rien. Et ça nous fait nous remettre en place. En plus, il va frapper direct. Je commence à le connaître un peu. Non, c'est pas juste que j'imagine non tirer direct. Allez, il va faire un changement, vous pensez ou pas? Il va faire une passe. Bâtard. Oh non, c'est creux. Ouais, c'était vide. Il a fait que de la merde. Là il s'enfonçait et il pouvait marquer direct. Hein. Merci, Messi. Messi, t'as fait ce que tu voulais. Let's go, allez. On tient. C'est pas bien, mais on tient.
Enfin, Ah, pas c'est plus. pas bien fait, mais on tient. C'est très bien de tenir, mais c'est pas bien la façon dont on le fait. Mais pour l'instant, on le fait. Cristiano Ronaldo. Non, la possession est perdue. Messi Non! pousse. Oh, la faute, l'attaque qui a été stoppée. Quoi? Une faute. Là, je prends un carton! Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. Ouais, c'est sorti en rouge, mais. Oh. Une occasion de Oui, merci, reprendre. Kama. Non! J'en ai marre de prendre des buts sur des relances! C'est pas mérité! Enfin, c'est toujours ce que je dis. Les buts, ils sont mérités. Là, il mérite 14 fois un but. Mais t'as vu comment il le met? C'est ça qui m'énerve, c'est la façon, c'est sur une vieille relance. Ce jeu nous a prouvé qu'on pouvait marquer que comme ça. La preuve est que quand il a testé la beauté face à moi, c'est pas passé. Bon là, vas-y, je dois être contente, mais quand même. Après, allez, c'est pas grave. J'ai quand même un but d'avance. Le problème, c'est qu'il me perd remonter trop rapidement. Allez, s'il te plaît. Ça peut devenir dangereux. Joue bien, joue bien, joue bien. Oh, il a passé son Prends ton temps. adversaire direct. Christian Pulisic. Ok, parfait, corner. Et un défenseur avant de C'est bien, sortir on ce rate. sera donc un corner. Oh, je veux la puissance. Il cherche le point de pénalty. Non. Tout est dégagé. Puissance n'a pas payé. Non, pas ouf, pas ouf, pas ouf. J'en ai marre! Et l'arbitre. Frérot, comment tu m'expliques? Bon, là, je vais prendre le but. Benzema. Non, non, j'en ai marre, j'en ai marre. Il y a L'arbitre. trop en but, il y a trop en but. Allez, 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 allez. Tu joues à 8 quand t'es en U13, U14. Frappe cadre de la part de cette équipe qui était largement dominée, qui est parvenue à revenir à la hauteur. Mais il est revenu parce qu'il joue à 8. J'en ai marre, j'ai plus de défense, gros. C'est revenu en profondeur. Ouais, forcément, il va marquer. Hein. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas Ouais, terminé. mais il va, non, mais il va gagner le match, mais il le mérite tellement pas, gros. C'est moi qui suis nul. Gros, j'ai pris 3 rouges en un match, genre. J'ai même pas fait exprès! De réagir. Oh, le gros exploit Mais ouais, mais personnel je peux plus rien attention. faire, gros. Oh bien sûr, il y a Ça me buts. casse les couilles! Il est nul à Yesh en face, en fait. Il est claqué. Il pue au jeu, genre. C'est juste, bah, derrière, t'as moi qui prends 3 rouges. Frérot, Oh, il c'est vient pas un long. jaune. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout mérité. Et 3 rouges. Bon. Un mérité. Le De Ceil, il est mérité. Le Traoré, il est pas mérité. Il fait pas du tout le dernier attaquant. Et tu veux qu'on parle de celui de Benzi ou. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai touché la balle. Non, ça casse les couilles. J'aurais fumé, gros. Enfin, je fumais tous les jours. Gros, regarde, t'es là comment on voit deux défenseurs à la fin, même pas. Un défenseur, parce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit, c'est une demi-portion. Même Pulisic, il en a marre. Pulisic, tu peux en avoir marre, t'as tout fait. Je veux plus être avec nous, mais tu vas essayer. Je dis, je prends rouge, peut-être mon problème. Clash d'équipe. Clairement, tout le monde attend maintenant le coup d'envoi. Des matchs qui sont toujours assez sympas à suivre. Ça commence quand on découvre la composition de l'équipe. Ça continue quand on observe le jeu des adversaires. Et en général, au bout de 10 minutes, on sait à quoi ça.
Mais donnez-moi des fous. Oui, oui. Ou alors faites-moi retourner contre Nalep. Si là il est en mi-argent. Oui. Je peux plus le battre. Il y a moyen. Comment tu m'expliques que Sterling il a eu 3 cartes depuis le début du jeu et c'est la seule et sa carte normale elle est milieu gauche et les deux autres elles sont milieu droit. En fait c'est juste c'est comme mes c'est comme plein de joueurs mais genre en gros il le joue tout le temps en milieu droit mais son poste est milieu gauche quand même. Ok. Allons. Mais c'est pour ça en fait. Je crois que les jokers hiver, c'est quand t'as un joueur qui joue dans un poste qui est pas le sien en maintenant. Parce que Neymar, jamais de la vie, il joue buteur. Par contre, que de la vie. Parce que tu vois, il était joker hiver, Sterling. Donc. Non, arrête, arrête de tacler Ferdinand. T'es meilleur que la plupart de tes adversaires. Juste, tu prends trop de rouge. Oui, je parle à moi. Non, alors là, je dis non. Parce que j'avais mis Vini, j'avais mis Koza et après, je l'ai enlevé. Donc certes, il est censé partir. Mais genre, là, vraiment, il aurait pu juste attendre un tout petit peu dans l'axe. Genre, même quand il revient, il reste sur la même truc. Oh, c'est tellement pas mérité, encore une fois. Il n'y a même pas carton. Il n'y a même pas à y avoir carton. L'avantage, il a dû être 2 secondes. Oh, je l'ai perdu. Non, mais. C'est pas mérité. Frérot, je le brain, je lui fais la salsa du Brésil. Voilà, c'est ça la salsa. Non. Première action, elle a marqué avec Vinicius, hein, retenez juste. Oui. Retour de position de hors-jeu en fait. C'était trop tôt pour envoyer le ballon. Mais à voir, il a pris du temps quoi, non? Voilà pour qu'on appelle la technique de répéter des gestes pour qu'il les assimile et quand tu le refasses il essaie de tromper et que c'est toi qui le trompe, c'est trop bien. Bah là c'est exactement ce que je viens de faire et c'est pour ça que j'ai pu m'avancer avec Messi. J'ai fait 2 passes où avant juste de faire une passe et bah j'ai... Oui vraiment je suis en train de faire mal le cœur. Et bah j'ai fait une petite virgule et du coup bah là il a assimilé le fait que moi j'ai fait une virgule et bah j'ai fait une passe et donc du coup bah je l'ai trompé. Bon il joue le temps là? Non c'est bon je joue pas le temps. Bon si je vous dis. Non, vraiment. Voilà pourquoi ce jeu est plus la merde. J'ai fait 14 actions à rentre pas, il en fait 2 à rentre. Les deux. Genre c'est nul. Vraiment, mais ce jeu, il est nul, il est pourri. Genre, y a aucune once de mérite. Ce mec est nul. Je le fume.
Mais il marque parce que je sais pas, le jeu il est avec lui. Frérot, t'as vu les actions que j'ai ? Mon goal il sert à rien. Tu sais même pas qui il a, je crois qu'il a Donnarumma. Donnarumma il est bon, il fait pas 9 arrêts simultanés. Retenez, hein, 2 frappes, 2 buts, ok. Oh là là. Sur ce centre, presque l'équipe MB. Physique qui est assez parlant. La possession du ballon est bien visiteuse. Si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Ils sont dans la surface. Ok, donc mais sans prendre pas, hein, alors que de base il rentre tout le temps. On se rappelle qu'il a Kimpembe Varane en défense. Donc certes, c'est des bons duels de la tête. Derrière nous, on a Ronaldo et Abedi Pelé. Un peu mieux quoi. Ah, ben, t'es peut-être pas sûr, mais Ronaldo, bon. Hein, il n'a pas gagné un seul duel et rien depuis le début. Je précise au cas où. Très bonne anticipation sur ce ballon. Ronaldo. Ok, on est. Un petit corner. Peut-être relancer l'équipe, pourquoi pas. Les supporters qui s'agitent un petit peu. La bonne prise de balle, il y avait du monde. Là, je l'ai pas, on se rappelle alors que je cours 8 fois plus vite que lui, mais tu sais pas pourquoi mon jeu allait aller au ralenti. Fernand Mendy. Mais de quoi ça me dérange pas? T'es aveugle ou t'es aveugle? Gros, je suis en train de courir sur lui. Oh yes, premier contre favorable du match! Ouais, deuxième coup d'avoir du match, la même action. Allez. Non, arrête de jouer le temps. Hein. Son de merde. Il va vraiment faire ça tout le match, vous pensez ou pas? Ok. Dans les stats, 5 tirs, 4 tirs. 2 cadrés, 2 cadrés. Donc, mon goal là, pour l'instant, c'est un but compliqué. Il va jouer le temps tout le match, hein, je vous préviens. Donc, soyez pas choqués. Voilà. Merci. Tu fais une passe derrière là? Ouais. Il joue. En fait, non, il joue pas le temps, il grappille du temps. Merci pour ce troisième compte favorable de la partie. On a eu 14, donc je l'ai temps. Parce que là, la passe, vous vous rendez pas compte à quel point elle était merdique. Bon, là, je l'ai pas eu sur Ronaldo, alors que j'ai fait une bonne passe normale. Bon, elle est rentrée un peu faible, mais de base, il est censé rentrer vu qu'il prend Ronaldo, c'est pas grave. Oh, oui. Un autre petit compte favorable pour lui. On va les compter, hein. Là, vous avez pas me dire que c'est pas un compte favorable, la balle s'arrête pile devant lui. Oh là là, mais FIFA, vous récompensez des joueurs qui jouent le temps, genre. Là, vous êtes ok pour vous donner des bonnes récompenses à ce mec, alors que. Et même le laisser gagner, alors qu'il joue. Il grappille toutes les minutes qu'il peut. Ça part très loin avec ce dégagement. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. C'est vrai qu'il me permet, mais bon. Hein. Là, évidemment, il veut jouer le temps. Hein. C'est très chiant. Parce que là, du coup, ma défense, elle est ouverte, mais forcément, puisque, genre, il joue le temps pendant 10 minutes. Donc, moi, après, j'approche mes joueurs et ça me dégoûte. Ça me dégoûte que FIFA, il me donne même pas des comptes favoris, mais il me laisse même pas gagner face à ce genre de mec. Regarde, hein, il va jouer derrière. Non, mais là, parce que là, il y a une contre-attaque. Faut oublier. Il joue en passe, attente et contre-attaque. Il a joué derrière. Messi. Quel ton duel aérien pour une fois, Messi. Qui se passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Monsieur Junior. Tu vois qu'il allait marquer première action. Il a dégagé. Pulisic, fais-nous le lien. Bien joué.
jeu vers l'avant. Ok, allez. Avec des pelés. Estelle Pulisic. Avec l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner, ça faisait longtemps. Et les supporters ont compris que peut-être leur équipe pourrait égaliser là-dessus. Pourquoi il l'a fait pas Messi le con? Il joue en passe, évidemment. C'est la même personne. Hein. En fait, ça m'énerve que genre vraiment. Genre, c'est tellement énervant de perdre face à ce genre de mec. Genre, tu vois, c'est le mec, il est bon et genre vraiment, il mérite son match. Ok, mais là, il mérite rien, hein, vraiment. Il n'y a pas une action qui mérite. Déjà, il met deux buts sur des actions nulles. Ses deux seuls tirs cadrés, il les rentre. Et là, vraiment, il joue, regarde. Et là, il joue tant, voilà, c'est bon, il va faire les passes derrière. Genre, c'est chiant. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Genre, si tu lui mets trop de pression, il décide qu'il arrête de jouer, genre. Et forcément, il marque, mais... Oh là, j'en ai marre. Oh, j'en peux plus, frère. Il est éclaté. Mais voilà, mes trois tirs cadrés. Donc, deux en maignant, il sert à rien. Ok? Son gardien, tous les arrêts du monde. Première frappe cadrée de la mi-temps. Il fait rien. Il est nul à chier, genre. Faites-moi tomber contre des mecs qui méritent un minimum leur win. Bah pas moi. Ça, j'aimerais bien voir d'où tu puisses ta logique, parce que je te rappelle que ta logique, frérot, tu la tiens du fait que là, il gagne 3-1 sur 3 tirs cadrés, 3 buts. C'est bon ou pas? Oh, il est passé. Ça n'ira pas plus loin. C'est ma voix. C'est bon, il me casse les couilles. Je vais lui envoyer un message, mais sans haine. Genre, je vais le faire. On va aller TV. C'est mon rêve, tu gagnes tes matchs en jouant le temps. Mais tu t'amélioreras pas. Et tu rends le jeu nul. Je lui ai écrit, tu sais moi, tu gagnes tes matchs en jouant le temps, mais tu ne m'as pas. Tu gagnes tes matchs en jouant le temps, tu ne m'as pas, tu es nul. Enfin, tu rends le jeu nul. Mais il pouvait pas recevoir le message. Bon, écoutez, on est sur 4 matchs, 4 défaites. Avec au programme, on a eu les pires adversaires hein, de tout FIFA. Vraiment, ils sont tous plus toxiques les uns que les autres. C'est chiant parce que, genre, moi vraiment, je suis nul. Donc, j'accepte de perdre mes matchs, mais perdre. Faites-moi perdre contre des mecs qui méritent. Il va jouer tant pareil lui avec son jeu. En fait, là, ce mec a une équipe très forte. Ah! Un tout petit détail. Son défenseur central gauche, on va le bombarder. Vous voyez, il est. Carles Puyol est très lent. Il est très bon dans la vraie vie, mais dans ce jeu de merde, il est très très lent.
Rouge? Non, okay. Jaune sur pénalty, ok. Donc là, le mec a aucune honte à marquer alors qu'il mérite absolument pas et qu'il a pas de. Donc Carles Way, il est déjà très lent, on va le rendre encore plus lent, frérot. On va exploser son puyol. On va lui faire courir de tous les côtés. En fait, là, vraiment, ça me saoule. Genre, je vais donner toutes mes wins et je vais arrêter le fichier. Parce que, non, c'est pourri, mais frérot, regarde. Genre, je prends que des pénalties sur un rond arrivé 10 minutes plus tard, même pas fait exprès, parce que je voulais dégager. Forcément que son jeu, il plaît pas à tout le monde, mon ref. Non, et en plus là, la balle elle va même pas sur Messi. Je pense que je suis le joueur qui a le plus gros niveau de différence entre la chance que j'ai dans les packs et la chance que j'ai dans le gameplay. Ce qui fait que franchement, je préfère limite avoir de la chance dans le gameplay que dans le truc. Parce que là, frérot, forcément que je peux pas être bon et m'améliorer. Genre, le jeu est contre moi. Contre moi. C'est bon, mais s'il a envie de faire des petites accélérations rapides comme ça. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Vraiment, il y est, genre. Monsieur Junior. Et si après ça, frérot, j'ai pas au moins un joueur à 1 million de crédits, mais je te jure que je porte plainte. Hein. C'est pas normal, je vais appeler Yé, je vais leur demander. Changer vraiment. Genre, ça mérite limite d'être ban. Hein. Comment il joue. Bon, c'est bon, au diable ça, je vais quitter, je vais changer de jeu, j'en ai marre. Alors ce jeu me met de mauvaise humeur. C'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Il vient au duel. Oh, le grand danger. C'est bon, ce jeu me met trop de mauvaise humeur, gros. Regardez.